des cadres qui sont plus experts en formation initiale, comme je prends l'exemple des douanes, on n'a pas les mêmes besoins d'explicitation sur le dialogue social que quand dans les écoles comme l'ENA, l'INET ou l'EHESP, on va former des encadrants qui vont être amenés à piloter de très grandes équipes, voire qui vont avoir des responsabilités en matière de ressources humaines. Alors pour le réseau des écoles de services publics, néanmoins, on souhaite que ce soit un sujet partagé. On a des réflexions en ce sens pour essayer de bâtir des choses en commun. Mais ce que je voudrais dire sur la question de l'accompagnement des administrations, des collectivités locales, des hôpitaux, c'est qu'il convient absolument de raisonner plutôt en termes de parcours que de modules de formation. Parce que le module de formation en tant que tel n'a de sens que s'il se positionne bien à un moment donné de la carrière. On ne fait pas la même formation sur la question du dialogue social comme sur d'autres thématiques, en formation initiale quand on entre tout juste dans la fonction publique ou quand on va prendre des postes à responsabilité à un autre moment de la carrière. Ce qui est important, c'est de travailler cette continuité dans l'offre faite par les écoles, mais aussi que les employeurs puissent vraiment avoir cet accompagnement à leur niveau, en proximité, des encadrants pour attirer leur attention à cette formation au dialogue social et puis essayer que les gens y aillent à des moments pertinents et qu'il y ait un retour et une mise en pratique vraiment dans leur milieu professionnel. La question du développement de la compétence n'existe que s'il y a une capacité à agir en situation. Donc pour agir en situation, il faut être en situation au moment où on se forme. Quand la DGAFP nous a proposé de réaliser un module de formation à distance sur le sujet, c'est avec enthousiasme que le RASP a répondu à cette commande. Un comité de pilotage issu de personnes de différentes écoles travaille à l'élaboration d'un module de formation qui sera commun, mis à disposition des élèves en formation initiale sur les plateformes des écoles. Un module qui se veut généraliste, qui sera complété ensuite par un module de formation dans les écoles sur le champ de professionnels de chacune des écoles. Et ce module de formation à distance sera découpé en trois parties. Une partie introductive qui reprend notamment la définition de l'OIT avec quelques interviews qui montrent que le dialogue social est quelque chose d'important et que les élèves qui rentrent en formation initiale n'y connaissent pas vraiment toujours grand-chose. Une partie historique qui reprendra une frise chronologique avec les moments clés et forts de la législation sur le dialogue social. Une partie organisation des instances, donc vraiment l'organisation du dialogue social, tout ça pour donner vraiment un vernis initial aux élèves en formation. Et puis une partie boîte à outils avec notamment l'interview de différents directeurs qui sont amenés à gérer le dialogue social au sein de leur institution et qui peuvent donner quelques pistes concrètes pour mener mieux un dialogue social réussi dans les directions.